un sentiment de réussite. Donc elle a pu vous conquérir, elle a pu vous avoir, elle vous voulait, elle vous a eu, elle en est contente. Vous voyez, cette femme, elle a des fleurs, c'est comme si on recevait une récompense. Rien. Maintenant, tu t'abonnes, tu cliques ici, tu mets la petite cloche, tu mets le pouce, ok? Et oublie pas de mettre le petit commentaire. Hey, salut, c'est Matt Compagnie, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau concept, on va regarder des tirages de cartes sur des chaînes YouTube d'autres personnes et je vais vous dire ce qui va bien et ce qui va pas bien. Voilà, je vais commencer par la première saison, c'est celle-là. Donc hop, je change de scène. Celle-là, donc déjà, c'est marqué les sentiments pour moi en ce moment. Tirage de cartes tarot à choix multiple. Je vais vous expliquer, ça sert vraiment à rien de faire ça. Plus vite possible. C'est ainsi que vous allez être apte à prendre le bon choix, à être dans la bonne vague. Je commence. Quels sont les sentiments que il ou elle a pour vous en ce moment? Ah bien sûr, ce tirage il marche pas pour toi, pour une autre personne. Le premier tirage. Faut jamais prendre une personne qui fait des cartes pour soi-même, je le dis. Parce que c'est une personne Le qui serait trop second. influencée. Le troisième. Et le quatrième. Je vous propose aujourd'hui quatre arcanes, quatre choix. Les voilà tous. Ne vous braquez pas, ne vous faites pas de stress, détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire le bon choix. C'est la bonne nouvelle. Au hasard, prenez une carte au hasard sans réfléchir. Peut-être la première qui vous a regardé ou la première que vous allez regarder si vous fermez et rouvrez les yeux. Allez, je vais prendre Ne vous posez pas la de deuxième. questions. Lorsque Dans vous le ne vous chat, posez pas de pareil, questions, prenez. la réponse Enfin, vient dans à la vous. vidéo, vous prenez une carte, on va voir. Si vous avez choisi, je vais commencer le tirage. Si vous avez besoin d'encore un peu de temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour vous recentrer sur vous, pour vous calmer surtout. Les tirages, il est conseillé toujours de les regarder dans une humeur calme dans laquelle vous êtes posé et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voyez. La première possibilité, le premier tirage, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous en ce moment? Une étincelle de désir. Donc c'est Ça, lié à c'est l'amour là. la réponse toute simple. Cette personne a envie de vous voir. Peut-être qu'elle a envie d'avoir des rapports avec vous. Elle a envie de partager du temps avec vous. C'est une nouvelle ouverture, un nouveau désir, quelque chose qui peut naître et renaître, quelque chose qui est peut-être nouveau pour elle. Peut-être qu'elle ne ressentait pas de choses comme ça pour vous avant, et maintenant elle ressent ce genre de sentiment. Regardez juste le système Nous des allons mains voir ça aussi. de plus Et près. l'aiguille et un Quels coupage. étaient les sentiments de cette personne pour vous dans le passé? Elle cherche amour, en fait. Dans le passé, cette personne a pu vous conquérir. Elle a pu vous conquérir et elle en était très fière. Elle avait l'impression qu'elle a eu le gros lot, qu'elle a réussi à faire ce qu'elle a voulu. Un sentiment de réussite. Donc elle a pu vous conquérir, elle a pu vous avoir, elle vous voulait, elle vous a eu. Elle en est contente. Vous voyez, cette femme, elle a des fleurs. C'est comme si on recevait une récompense. Vous étiez sa récompense. Encore aujourd'hui, le désir brûle pour vous. Le désir de vous connaître plus, le désir d'avoir une communication avec vous. Est-ce que cette personne va se manifester à vous? On va dire Ça va, dans les il a trois assez jours long qui suivent. le tirage. Dans En les fait, elle a trois jours fait qui suivent, est-ce qu'elle va par se thème. manifester? Je pense qu'elle doit faire par thème. Tout à fait. Le 3 de coupe, elle va se manifester. Elle a envie de vous parler. Elle a envie de passer du temps avec vous, de discuter joyeusement avec vous, d'être de bonne humeur avec vous, de partager des moments. Donc oui, tout à fait, elle va se manifester. Quelle manière de communiquer devriez-vous ou pourriez-vous adopter avec cette personne si elle se manifeste? Vous pouvez lui parler sans obstacle. Il y a de la rapidité, sûrement que vous allez parler peut-être par des réseaux sociaux.
par des moyens de communication rapides et vous pouvez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous n'avez pas besoin de vous restreindre, les choses vont vite entre vous. Vous pouvez lui communiquer votre désir, vos envies, lui ouvrir votre cœur. Vous pouvez le faire assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de vous restreindre dans la communication avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en général ? En général, quelles sont ses pensées par rapport à vous ? Vous représentez une très belle communication. Elle voit le potentiel de cette très agréable. Beaucoup de respect, ne soyez pas toujours répondant ou répondant. Augmenter, retrait. Et peut-être un désir de chair aussi. Voilà pour ce tirage, pour cette première possibilité. J'espère qu'elle a été utile, qu'elle a été compréhensible. Je passe à la seconde possibilité, le second tirage. Ça n'est pas facile. Il y a des choses à... On va dire... Il y a des efforts à faire. Il y a des choses à régler. Vous n'êtes pas... un petit peu... beaucoup de... Ça peut être un petit peu trop par moment. La personne avait de forts sentiments envers vous qui maintenant devenir plus difficiles à tenir parce qu'elle aurait voulu... Vous allez tous les deux, comme si comportement en ce moment, quel comportement elle aurait voulu de votre part. Ah, elle prend en général, elle aimerait bien qu'il y ait. Vous allez mais t'as mélangé son jeu vers la personne. On a l'impression qu'elle aller vers elle, faire quelque chose ensemble, tout en cette vie ensemble. Elle regarde l'autre avec beaucoup d'amour, beaucoup de. Prenez tout le temps. Prenez ce temps pour vous. Pas cette personne. Présenter une opportunité. Et cette. Bien. Elle voyait que votre. C'était très. C'est. Si elle peut. Pas dans les 3 jours suivants. Est-ce que dans la semaine qui suit, cette personne va se manifester? En fait, elle parle tout le temps d'une personne. En fait. Oui. Dans la semaine, pas dans les 3 jours. Vous allez peut-être être un petit peu déçu, mais dans la semaine, ne vous inquiétez pas, cette personne. Si vous avez compris, si vous prenez le troisième, en gros, il y a une meuf qui va se ou un mec qui va se présenter dans la semaine. Coronavirus. Jugement, c'est votre présente pour dans le. Vous pouvez très très bien. Vous voyez. Qu'est-ce qu'elle voit comme avenir pour votre communication, pour votre relation? Beaucoup de sentiments compte que juste le fait de passer du bon temps à cette personne. Maintenant elle veut prendre des décisions, elle veut responsabiliser cette relation, elle ne veut pas ne pas là, je suis pas trop fan du tir prévoit aussi que vous de sa manière de soyez mélanger dire ce que vous en pensez, c'est vrai que bon ce genre de tirage il aurait pu aller encore plus en profondeur. C'est difficile parce que le temps est compté. C'est vraiment bof. Hein. Moi, je suis pas trop fan. Hein. Après, vous me direz ce que vous en pensez. J'en regarderai un peu plusieurs tirages de 4 comme ça. Mais en tout cas, je suis pas trop fan. Voilà. On me dira ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, c'était Mad Company et un bateau.